Je fais cette petite vidéo pour mon frère Ousmane Nielwe. Je vais lui parler, je l'ai parlé en privé et je vais lui parler ici aussi. Tu sais, quand tu es un homme, quand tu es un grand homme, ne te mets pas au-dessous. Il faut te mettre au-dessous, je voulais dire, de tout. Il y a de ces petites personnes, on ne doit pas les répondre. Ngeloy, tu es égal à ces loudalins. Pas à ces petits nyiminyama. Tu es égal à leur demi-dieu, à leur prophète. Ousmane Ngeloy, tu es un homme fort. Et celle où c'est, un jour, papa l'avait dit. Il dit, il faut beaucoup faire attention avec Mielu. Sinon, un jour, il va te déstabiliser. Celle-là le sait. Je sais, tu sais. Donc, ne te rabaisse pas, Mielu. Ne te minimise pas. Je ne veux plus jamais voir une de tes vidéos ou de tes posts où tu parles de ce nommé Madik sans frontières. Madik, c'est un petit à toi. Tu peux nourrir Madik. Tu peux nourrir la famille de Madik. Tu peux donner tout à Madik. Ne te mets pas au même niveau que Madik Ousmane Nielwe. Madik, pour la personne pour qui il prie là, pour la personne pour qui il fait tout là, lui c'est ton petit. Seloudalen, c'est ton petit Nielwe. Tu es la seule personne qui rentre dans les fesses de Seloudalen, qui t'assoit, tu l'oses et puis tu sors. Comment est-ce que tu peux te permettre à parler d'une petite personne qui veut aujourd'hui son rêve que nous on parle de lui pour qu'il soit considéré? Donc, Ngeloy m'a dit que c'est une petite personne. Il veut aujourd'hui qu'on parle de lui. Moi, je ne veux plus jamais parler de lui. La dernière fois, j'ai parlé de lui. Pourquoi? Parce que moi, je sais que les RPG sont démocrates. Je ne veux pas qu'on prenne Madik, qu'on le met en prison. Je ne veux pas que le RPG se comporte comme Seloudalen. Madik est sur le terrain. S'il est homme, faut pas aller à Bambeto parler là-bas ou aller à Mamoun dans les fiefs, je ne sais où. S'il est homme là, on va voir. Il vit à l'intérieur, non? Il n'a qu'à aller en Basse-Côte ou en Haute-Guinée. Il va voir. Ou il vient en Guinée, ici. S'il est homme, moi, Madik, j'ai le 622 000097. Tu prends, ça c'est mon numéro, tu m'appelles. Tu vas voir. Tu dis, Fatou, je veux te voir. Je te dis ça parce que j'ai vu une de tes postes. On m'a fait capturer parce que moi, je ne suis pas abonné sur ta page, sur la tombe de mon père. Tu es trop petit devant moi. Sur la tête de mes enfants, m'a dit que moi j'ai affaire avec votre demi-dieu, c'est Loudalin. Moi, tout mon problème, c'est lui. C'est lui que je veux déchirer. C'est lui que je veux rentrer. C'est lui que je veux castrer. C'est lui que je veux pénétrer. Votre demi-dieu, où vous partez faire vos prières là. C'est ce Loudalin farfelu que moi, Fatoumé, le je vais déchirer. Quand on me souhaite, Moukadjabe, Moukanenkoro, Moukaltaku, Miwatajakatu. Ceux qui veulent parler là, s'il vous plaît, je suis en direct. Vous m'avez vu en direct, vous m'appelez. Attendez, je finis là, vous m'appelez. Madik, j'ai laissé mon numéro. Tu finis? Tu m'envoies un message. Tu dis que c'est toi, Madik. Non, je me demande pourquoi les gens, vous n'êtes pas civilisés, quoi. Hé, hey, j'ai le numéro là. Moi, donc, attendez. Attendez que je finisse mon direct et puis vous m'appelez, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est mon numéro. C'est le sabar que tout le monde a. Voilà. Mais je décroche. Tout le monde m'appelle là-dessus et puis je décroche. Donc, Madik, tu es une petite personne devant nous les Nielui. Je fais cette petite vidéo parce que tu as dit les Nielui. Si tu avais dit Nielui, je n'allais pas te répondre.
Mais moi, je n'ai pas le temps à perdre en te répondant. Moi, ton demi-dieu qui est celui d'Alain, là, moi, j'ai affaire avec cette dernière. Moi, c'est à lui, j'ai un problème. Moi, c'est lui, je veux opérer. C'est à lui. C'est que celui, je veux rentrer. Toi, tu es petit. Déjà, même la façon dont toi, tu es là, je n'aime pas ça. La façon dont tu es là. Tu es gamin, quoi. Tu es trop petit devant nous, les Nyeloué. Donc, je ne veux plus jamais que Nyeloué fasse même un statut, poste sur toi. Si on a affaire ici, si on a qui rentrer, déchirer ici, c'est votre demi-dieu, c'est votre prophète qui est celui d'Alain. Comme un sou, watamen, sou, wito, men, ou kanyamako. Men, lila na jiga ajaden, men, gaina, men, yata, him, e yirube, mo, men, be, yaka. Men suwa mo men suwi toko min hali mi suwa selu dale mi suwi tomo mi suwa ko suwa ki wo mi suwa mi wana bila koro bidon wo hin ko ko yona haja woni mo be mi yeti no mi ni mi akata e mi yeto on kati si selu no gordi onon be woni be pande do campagne onon hali pular be woni bu ande ben ko be peri si mo gordi assemblée on mo inni on accepta on o fala ka on yo yeyi o disuada on taw to yo halde fi election présidentielle kala pullo futa jettudo 1000 francs mun jenni sellu dale haray way wasta ya etti essence aw kidi asunni ma wadi buudi ma din e ilol di yolike o lamuta ko do hande o lamuta ko do jango o lamuta ko do fatti jango hay sino ngal fa konde iw joni 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 sori en fala kamu fal jakamo na fami on fami dum police fala kamu fal jakamo parce que o yida goto o yida bere rouge o yida police o yida gendarme donc wato habbo konko migi don ko ben tigi woni fala ka bo parce que o fala ka hore makko o yida leydi ding menen coup d'etat wada ta der ndi leydi nu onna de militaires ko républicain be. C'est des personnes andoube ce qu'ils veulent dans leur vie. Voilà. Et c'est pas le Mali, hein. Ma Guinée-Bissau, pays où il y en a. Jamais. Ça, c'est la Guinée qu'on a créée. Donc, Madik, tu es très petit. Tu es venu gérer ta copine. Elle t'a fait venir. Elle t'a donné l'argent. Comme c'est une prostituée, c'est une pute. Tout le monde la connaît pour ça. Quand elle veut un homme là, c'est ça. Donc, il faut venir Mougou, la vieille finie là. Tu vas la baiser. Tu vas la Mougou, Mougou, Mougou. Et puis encore, tu vas crier, parler. Et après, tu prends aussi l'argent de la communauté IFDG. Comme c'est des moutons, c'est des fous. Tu vas récupérer ça et tu vas rentrer. Moi, en tout cas, si le RPG... Parce que ce n'est pas Alpha Condé. Alpha Condé s'en fout de toi. Il ne te connaît même pas. Il ne te calcule même pas. Là, Gilangaye. On s'en fout de toi. Moi, un jour, tu vas me donner raison. Parce que dans l'IFDG, là, quand tu n'es pas peul, tu n'as pas ta place. Et moi, IFDG, quand j'entends quelqu'un parler de IFDG, c'est que ça me fait rire. Parce que nous sommes les enfants du père fondateur de l'IFDG. On connaît comment ça fonctionne le parti. C'est un parti ethno. Même mon père fait partir d'installer cet ethnocentrisme dans ce parti, je sais. Paix à son âme. Voilà. Aujourd'hui, si moi je pouvais, si je pouvais ramener mon père, il allait revenir, comprendre c'est qui Alpha Condé, la réalité, c'est qui Alpha, c'est qui Sellou Dalé. Mais malheureusement, c'est un truc que moi je ne peux pas, qui est impossible. M'a dit que tu es petit, tu es gamin devant les Nyeloué, d'accord mon frère? Tu es petit, tu es gamin devant les Nyeloué. Si tu es homme, tout ce que moi je te dis, tu viens, tu m'appelles, ou tu viens à notre fief. Mouta mouni, bastonne mané, c'est tout ce que nous on veut. Sur la tombe de mon père, je ne veux pas qu'on t'emprisonne. Hein? Je veux, si tu es homme là, tu viens, tu me vois, ou tu vois les gens, tu parles de Alpha Condé, tu insultes Alpha devant moi. Ni dera garigné ira patron bina mini mara do dendre ira selu dalé il va chier là où il est assis. Tu es petit, mais si tu es homme, moi en tout cas ça je vais dire à tous mes amis les militants, les vrais combattants, si Madik vient à Conakry ou il va à l'intérieur dans les fiefs du RPG, quand il insulte le président, on lui rentre propre. Et je dirai aux combattants, si Madik insulte
le président, deux ou trois ou quatre ou cinq, tous les combattants, nous, on l'insulte sans, on insulte son président 100 fois. S'il fait 5, on insulte son président. S'il insulte à fois 5, on insulte son président, c'est le sang. S'il insulte, c'est le sang. On insulte son demi-dieu, son, ce farfelu, c'est le mille. Il n'est rien. Moi, on m'a dit que tu es billahi wallahi tallahi. Sur tout ce que je cherche, sur mes prières, tu es petit devant moi. Moi, j'ai affaire avec ton demi-dieu, ton selou d'Alain. Moi, c'est lui que je vais déchirer. C'est dans lui que je veux rentrer. C'est lui que je veux. Sous la tombe de mon père, aujourd'hui, mes prières, c'est comme rencontrer selou d'Alain. Je vais foncer vers selou d'Alain. Ces gardes, comme ils sont tous armés là, ils vont me tuer. Je vais mourir dans le cortège de selou d'Alain. Je vais mourir dans l'entourage de selou d'Alain. Et que l'histoire dit ça aussi. Il y a une fille qui était la fille du père fondateur de l'IFDG. Comme elle a quitté le parti, elle est allée rejoindre le grand parti qui est le RPG arc-en-ciel. Le leader ethno n'a pas pu supporter, il n'a pas pu digérer. Il a envoyé des gens pour les insulter, les humilier, pour tout faire. Mais malgré tout ça, les gens là se sont battus. Ils ont pu résister. Jusqu'à un jour, la fille Fatunielo a rencontré le cortège de Selou. Il est venu vers le cortège. Elle est venue vers le cortège. Ils se sont accrochés et les gardes de Selou ont tué la fille. Mais on en a la langue. Moi, quand je dis, je parle. Billahi, moi, je n'ai peur de rien et de personne. Moi, mon seul problème, c'est quand je t'aime, quand tu me parles, j'accepte. J'ai honte des gens et je pardonne. Mais moi, avoir peur, on ne bête pas comme mon ami Houlata. On bouac. Tu es un homme fort. Tu es l'homme qui a déstabilisé Selou. Tu es l'homme qui est rentré dans les testicules de Selou et est sorti. Tu es l'homme qui a parlé de la mère, comment la mère de Selou et son père se sont connus, comment ils se sont vus. Tu es l'homme. Aujourd'hui, tout le souci de Selou d'Alain, c'est comment nous, on va fermer notre bouche sur lui. Donc, ne te fatigue pas pour des petites personnes qui sont venues manger des miettes, des petites personnes qui sont venues coucher avec la femme de leur soi-disant leader. Ne réponds pas à ces bandits-là, s'il te plaît. Faut pas, ne donne pas de la valeur sur eux. Ne mets pas de la valeur sur eux. Ne parle pas d'eux. Il est qui, Madik? Il est qui, Madik? Moi, je ne parle pas des autres combattants. Chacun est libre, on s'est connu dans ce combat. Chacun est libre de parler à sa façon. Chacun est libre de mener son combat à sa façon. Je ne parle pas d'eux. Mais toi qui es mon petit frère de même mère, même père, toi, après moi, c'est toi. Ousmane Nguele, mes deux mains sont derrière. S'il te plaît, il ne faut plus jamais faire de statut de poste. Ne parle pas de ce petit-là. Rentre dans les testicules de Selou. Balance les testicules de Selou. Déchire Selou d'Alain. C'est moi qui t'ai dit. Je t'autorise. Et je vais répondre avec toi partout où tu vas aller. Il faut rentrer, il faut déchirer. Sous Selou d'Alain. Nata ender mako yalta. Komi wouli. Sou wama ukanya mako. Wada ton fap. Wada nyamako. Wada jakatu. Wada taku. Wada oji. Wada jabbe. Wada gile. Hautindira fop. Gibindira. Gaina yata seko un Selou d'Alain kundeka. Suuto da mo kadi dem mun gayna jetta gayna sekita mo kanko selu dale lila na jigaaje den ha yora ken jonna une partie jiga o ya partie jonna himbe makko wambe dekka watat haaje himoy wata haaje himoy ko selu dale suu wata suuwito da ko selu dale ndu wada natu de der bunna wu mun kun ko selu du wada beekude beekito da nata e der bobbi o makko fandu koy koy nata e der duma wol makko njandu gongol bijoda to maroda yalta wata jabondire bobo we hin koy aru koy de dabugol ko dekka wata jabondire ben mais toi Madik, si tu es homme, j'ai laissé mon numéro, quand tu vas venir là, cherche moi. Si tu es homme, tu viens, tu insultes Alpha ou tu dis quelque chose sur Alpha Condé, on va te bastonner, tu vas regretter même pourquoi tu as connu les Guinéens. Ça, on le fait, moi, je veux le faire. Je ne le fais pas au nom du parti RPG arc-en-ciel. Je ne le fais pas au nom du gouvernement. Je ne le fais pas.
Je ne le fais pas au nom du président de la République. Je ne le fais pas au nom du parti RPG Arc-en-Ciel. Je ne le fais pas au nom du gouvernement. Je le fais à mon nom personnel. Je veux trouver des gens. On va te chicoter, on va te bastonner, on va te déchirer, on va te frapper, on te donne des coups sur les fesses. Tes fesses vont gonfler. Si je ne le fais pas, c'est pas, je ne suis pas Fatou Niello. Si tu es homme, cherche-moi. J'ai laissé mon numéro, tu viens. Tu insultes Alpha Condé devant moi. Je ne veux pas que l'autorité se mêle. Je ne veux pas que qui que ce soit se mêle. Tu es petit. Et ton Dieu là, qui est celle d'Alain, ton prophète, qui est celle d'Alain, la personne qui va te dire tout de suite, il faut manger ici, tu manges, il faut chier ici, tu chies, il faut faire ça, tu fais. Moi, cette dernière est mon petit. C'est à toi qui ont... Moi, je m'en fous de toi. Non, m'a dit que tu es trop petit. Tu es petit, tu es enfant, moi, devant moi. Moi, même si les députés de Selou, ex-députés de Selou, là, bureau politique de Selou, ils sont petits. Tu n'es rien, tu n'es qu'un simple militant de l'IFDG. Si tu veux, demain, ils n'ont qu'à te nommer vice-président de l'IFDG. Ça n'engage que vous là-bas. Mais moi, ce qui reste clair, c'est ton demi-dieu. C'est le votre président qui est Selou Dalé là. Moi, c'est lui que je vais déchirer. Et c'est lui que je vais ordonner à Niello de rentrer, de lui déchirer, de mettre piment dans ses fesses. Osuwa mohak osuwa ki wo osuwa mi misuwa eselu misuwi tomo minanga mo misuwa wo misuwi tomo kati mi akanta selu dalen futez yawre ne wolli mende mi yawto selu adna fo yawomo mi yawto selu adna fo yawomo nous on si on veut mettre quelqu'un en prison ce selu dalen c'est pas toi. Et moi, toutes mes prières, qu'Allah lui donne un gros problème, il va rentrer en prison, il va aller à la CPI. Voilà. Alpha Condé est tellement humain. Konga et on me cherche. Qui te cherche, m'a dit, tu es qui? Tu ne représentes rien. Après le 18 octobre, là, c'est fini pour vous. Mais tu vas revenir. Tu viendras parce que tu vas te dire que oui, tu vas comprendre, tu vas me donner raison, c'est des ethnos. Et là, c'est des ethnos. Et moi, leader d'ethnocentrisme, là, je dis non à ça. Même si c'est au RPG Arc-en-Ciel. Je vois quelqu'un qui est un ethno, je vais le mettre sur les rails. Je suis contre l'ethnocentrisme. Moi, je me sens super bien dans le RPG Arc-en-Ciel. Parce que c'est des gens qui sont nobles, qui sont dignes, qui ne sont pas pour la violence. Moi, je vous dis, vous avez même une chance. Il faut dire merci à Senkou Kaba, le protocole. Moi, c'est mon Koto Senkou. Il faut lui dire merci. Parce qu'il met tellement la pression sur moi. Et il met trop de pression sur moi. S'il me laissait là, si Kana Sanyiba me filme, je veux te déchirer. Mais moi, j'ai un problème. Quand je t'aime, je te. Donc, vous avez une chance. Koto Senkou, c'est notre grand frère, mon champion. Même quand je veux faire certaines choses, il n'accepte pas. Si mon Koto Senkou n'était pas là, c'est lui. Il faut dire merci à Koto Senkou. Hein? Il faut dire merci au protocole. Sinon, moi, ce qui est dans mon cœur, là, dans ma tête là, et dans ma bouche là, pour toi, là, wallahi billahi, tu allais rentrer à Dalé. Moi, je n'ai pas peur. Mais la seule personne qui peut me dire stop, c'est Senkou. Protocole Koto Senkou. Ça, il ne badine pas avec nous. Oui. Et je vais toujours accepter tout ce qu'il me demande. Moi, je vais accepter. Parce qu'il nous aime comme ses frères et sœurs de même mère, même père. Et ça, bien avant, même quand on était dans l'IFDG. J'ai connu Koto Senkou en 2007. Il nous a connus. C'est l'ami, son meilleur ami à mon grand frère. Ils ont étudié ensemble. Donc, c'est là où on l'a connu. Même quand on était dans l'IFDG, il nous aimait comme ses sœurs et frères. Donc, l'amour qu'on a pour lui et tout l'amour qu'il nous a donné, quand on a perdu notre papa, tous les dépenses et financements qu'il a fait, venir assister à l'enterrement, prendre le président Alpha Condé, l'envoyer au lieu du décès, prendre Alpha Condé, l'envoyer voir la tombe de mon père. Ha! Cette personne ne va jamais moi me demander quelque chose. Et je refuse. Mais comme vous êtes des gamelles, vous êtes des petites personnes, vous,
les moutons de l'IFDG. Vous n'arrivez pas à faire la différence entre la politique. Vous n'arrivez pas à faire la différence entre avoir peur et pardonner. Priez Dieu pour Senghor. Mais je sais ce que je sais. Ce qui reste clair, 18 octobre, ça va finir. Moi, je ne suis pas une blogueuse. Hein. Moi, je ne réponds pas aux blogueurs ou aux blogueuses. Je ne suis pas une blogueuse. Je sors, je défends mon président Alpha Condé quand je veux, comme je veux et où je veux. Quand je vois quelque chose que je veux dire, je sors, je parle. Je ne suis pas une blogueuse. Pas du tout une blogueuse. Voilà. Je parle de mon président quand je veux, comme je veux et où je veux. Et je sors aussi, je parle de votre Satan, votre ethno, votre demi-dieu, votre farfelu, votre pédé, c'est l'oudalin. Quand je veux, comme je veux et où je veux. Je suis libre, moi. Je suis une Guinéenne libre. Donc, Madik sans frontières, moi, Fatou Nielo, je dis, parce que tu as dit les Nielo, Iruru Moutanyara. Tu es trop petit sur la tombe de mon père. Je ne veux plus jamais parler de toi. J'ai laissé mon numéro. Quand tu es homme là, cherche-moi. Tu m'appelles, tu insultes le président. On va te bastonner. Je le fais à mon nom. Pas au nom du président, ni au nom du gouvernement ou du RPG. C'est moi-même. Et j'ai des petits ici. Ils vont te bastonner. Ils vont mater tes fesses jusqu'à ce que ça va se gonfler. Sur la tombe de mon père. Tu ne vas jamais insulter Alpha Condé devant moi. Tu es petit, personne, hey, moi je veux dire et j'ai dit, ils n'ont qu'à te laisser, tu es en Guinée. Tu es venu pour te faire arrêter, tu es venu pour qu'on t'arrête, tu dis que tu as engagé des documents et tout. Après tu dis au Canada, j'étais en Guinée, on m'a arrêté, tu as des choses, tu ne vis pas bien au Canada, tu vois. Tu es là, on t'a envoyé pour qu'on dise non, on t'a arrêté. C'est ce que celle voulait faire avec comment je vais dire, ce soi-disant... comment il s'appelle même, Mandian Sidibé, là. Celle-là avait dit à Mandian, non, il ne faut pas aller, reste ici, même quand ils vont te mettre en prison, c'est pour quelque temps, on va se battre, on va te libérer et tout, et tu vas rentrer dans l'histoire. Mandian a dit, non, il s'est exilé lui-même. Donc, celle-là veut faire même chose avec Madik. Madik, viens, ils vont te mettre en prison, ça va m'aider pour, ah, comme il est maintenant militant de l'IFDG, il est venu et on l'a mis en prison, il va encore mentir sur le président et le gouvernement. Je vous en prie, moi, mes frères du RPG, mes frères du gouvernement, je vous en prie, oubliez Madik, c'est une petite personne. Laissez Madik, on tend vers la fin, c'est le 18 octobre, que personne même ne parle de Madik. Que personne ne porte plainte contre Madik. S'il est homme là, il est dans le pays. Il n'a qu'à insulter le président. Devant moi, il m'appelle, il me dit, Fatou, c'est moi. On va lui rentrer, c'est tout. On lui bastonne, ça c'est clair et net. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement ou le président ou le RPG. Donc, ne parlez même pas de Madik. Nielui, je ne veux plus jamais voir un de tes postes. Et je sais une chose, quand je te parle, tu comprends. Tu acceptes, tu as toujours accepté tout ce que je t'ai demandé. Ça, je sais. Je t'aime trop pour ça. C'est pourquoi je donnerai tout pour toi. Donc, il ne faut plus jamais parler de ce Madik sans frontières. Il ne faut plus mettre de statut. Si il est homme, là, ton numéro, c'est le 621-16-30-30. Toi, moi, j'ai le 622-000-97. Il n'a qu'à nous appeler, nous dire où on va se rencontrer. Si il est homme, il va insulter Alpha. On va lui bastonner, lui rentrer pour propre. Et puis on le libère, il part. Sans même l'arrêter, on ne l'arrête pas. On s'en fout de lui. Moi, aujourd'hui, la seule personne que je veux qu'on arrête, qui meurt en prison, c'est celle d'Oudalin.